Salut tout le monde, c'est Yoka64 pour la quatrième épisode de Pokémon version GM en compagnie de Darkwolf. Salut! Bonjour! Ça fait la deuxième fois que je redémarre le jeu parce que ça a crashé. J'ai pas compris. Bon, allez, du coup, bah oui, il s'est passé énormément de. Il s'est écoulé beaucoup de temps entre la troisième et cet épisode là. J'ai pas rien fait pendant ce temps-là. J'ai attrapé un Chétiflore, comme vous pouvez le voir. Qui est niveau 11. 12, pardon. 12. 12. Et qui, du coup, bah, c'était assez chiant à l'entraîner. Hein. D'ailleurs, je vous montre tout de suite ses stats, si c'est possible. Ouais, c'est bon. Ses attaques, donc il a Fouillade, Croissance et Ligotage. Ce qui est complètement merdique. Mais je pense que, arrivé à un certain niveau, il va s'en sortir. Et Macaque et Pigé, je les ai entraînés jusqu'au niveau 17. Et mon œuf n'a toujours pas éclos. Neuf, neuf. De toute façon, je sais. C'est un œuf de quel Pokémon? Je crois que c'est un osselet. Ouais, c'est ça, c'est un osselet. Je me spoil moi-même. Mais... Donc, du coup, bah, on va continuer notre chère aventure. Alors, bien sûr, cette série, c'est pas une série que je continue comme ça pour remplacer Pokémon Rouge-Feu. C'est une série qui sert de remplir les trous en attendant d'autres séries. Non, en fait, c'est une série qui sert seulement en fait à dépanner au cas où. Ouais, voilà. Je te laisse ici. Merci encore de m'avoir accompagné. Oui, c'est une fille dans un forêt de jade que j'ai accompagnée parce que son air bizarre était mort. A plus tard. Air bizarre. Oui, elle avait un air bizarre. Du coup, bah, vu qu'on est trop faible pour la première arène, parce que oui, je sais pas si toi tu le sais, mais la première arène, c'est-à-dire Pierre, a des Pokémon plus de niveau 30. Je vais pas te mentir. J'ai regardé aucun de tes épisodes. De toute façon, j'ai pas encore commencé l'arène, donc c'est normal que. De toute façon, ça aura rien changé. Ouais, non, mais Pokémon j'aime, c'est pas un Pokémon que j'aime particulièrement. Non, y a pas de jeu de mode, merde. Ouais, non, mais justement. T'as dit cette fois, je me suis dit, oh, je sais pas si c'était un jeu de mots ou pas, mais c'était merdique. Non, ce n'était pas un jeu de mots, c'était même imprévu. Bon, allez, j'ai la pêche aujourd'hui, et mes Pokémon aussi. Très intéressant. T'as la pêche, t'as la banane. Surtout la banane, hein. Oh, il a du mal à démarrer le combat, le launcher. De toute façon, Pokémon Gem, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de contenu. Hein. Il y a la première région, la deuxième et la troisième. Enfin, une partie de la troisième. Donc alors. Pas la dernière truc. De quoi? La dernière version. Non, il l'a pas. Si, il l'a. Le nouveau aussi. Pokémon Gem 4.0, il est pas encore sorti. Parce qu'en fait, le truc c'est que les créateurs de Pokémon Gem ne mettent pas en priorité leur jeu en fait. Ce qui fait que. Bah, en fait, ils avancent quand ils ont envie, donc du coup, ils ont pas de date précise pour sortir leur version. Désolé. C'est pas grave. Par contre, je sens que ce combat contre un Crisacier, ça va être chiant. Crisacier. Ah d'accord, il en est déjà à utiliser lutte. Je connais... Hein? J'ai vu? Non, rien. J'ai fait une blague de merde. Ah d'accord. Ça, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas d'utiliser Ligotage sans que je lui demande, je comprends pas. Tant Ligotage, c'est pas une attaque comme Roulade. Hein. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, ça le tue. Voilà, on a tué le Crisacier. Bon, j'ai trouvé une carte graphique, mais chère. Combien? 160 euros. Bon, ça va, c'est une carte graphique quoi. Oui. Alors, je vais envoyer ma carte. Ah oui, non, mais attends, c'est pour jeu avancé. Pour jeu normal, il y en a 4. Ouais, ouais, c'est les mêmes prix. Je préfère en payer une pour les jeux avancés.
Bah oui, c'est mieux. Mais bon, pour l'instant, on va attendre. Ah, c'est ça que je voulais voir. Boîtier. Boîtier PC et accessoires. Ah, c'est un sprinter celui que j'ai combattu. Ouais, alors. Il court, le Pokémon à deux pieds. On va mettre Pigé en premier. Oula. Voilà. Combattre le karatéka. Voilà. Yaha, je te défie, jeune dresseur. Ce qu'il faudrait, ce serait une bonne musique de Skyrim. Non, pas Skyrim. Je sais pas ce que j'ai avec Skyrim ces temps-ci. Pourtant, j'y joue pas, hein. Bah, Mais j'aime bien la musique. sans mal, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, mais bon. Pikachu à l'attaque. Alors, Tornade. Oh, ça va même pas one-shoté. Il lui manque juste un niveau pour qu'il évolue, c'est n'importe quoi. Allons, plus sur le Pokétos. Alors, YouTube. Ok. Pokémon Invasion. Voilà. Je sais pas si ce dresseur-là, je l'ai combattu. What, what? Pourquoi what, what? Comme ça. D'accord. J'ai eu envie. Moi j'ai envie de que Pigé évolue, alors du coup je vais laisser au combat jusqu'au niveau 18. Même si je devrais faire participer Flory parce que il sera super efficace contre les deux champions d'arène. Ondine et Pierre. What? 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 S'il vous plaît, à chaque fois que je combats, il y a toujours un moment où ce qui est marqué ne répond plus. What, what? Je reviens. Ok. Tornade. D'accord. Il me passe ma défense. Bah moi je vais faire charge, comme ça c'est fait. Voilà, Nidoran en mort. Maintenant je dis mort. Oh merde, il y a point poison dans la forêt. Ouais, donc le retour de Pokémon Gem, une version remakée de. Non, c'est même pas une remake, c'est une version fanboy, on va dire. Une version. Enfin, c'est des fans de Pokémon. Enfin, je sais pas si ce sont vraiment des fans, mais. En tout cas, ils ont bien géré. Parce que franchement, c'est pas une remaquée, hein. C'est vraiment une version qu'ils ont fait eux-mêmes avec un logiciel de création de jeux vidéo. Ce qui fait que. Bah, c'est un super jeu, je trouve. C'est dommage que je suis pas vraiment allé très loin dans le jeu. Mais ce que je devrais faire là, déjà, ce serait soigner mon Pigé. Et c'est dommage vraiment que je ne considère pas ce jeu comme. Enfin, que je considère pas la série de Pokémon version Gem comme une série officielle. Même si, de toute façon, ce jeu, au bout d'un moment, sera bien terminé un jour. On en est loin, mais ce sera terminé un jour. Oh là 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 là. Ok. Tu es un dresseur, tu ne peux pas refuser un défi. Du coup, étant donné que je suis en train de faire une. En fait, Pokémon Gem, c'est un jeu qui reprend la région de Kanto. Du coup, on a forcément une impression de déjà vu, étant donné qu'on a fait Pokémon Rouge Feu juste avant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai une impression de déjà vu parce que cette époque-là.
Enfin, là, parce que je traverse la route entre la ville de Pierre et la ville de Ondine, ça date. Mais bon, voilà. Du coup, je pense que 2-3 épisodes vont sortir. Hein. Je pense pas que ça ira plus loin. Enfin, pour l'instant. Hein. Et normalement, Dragon Nest Europe, qui est une, enfin Dragon Nest Europe saison 2, c'est terminé normalement. Donc du coup, et eh bien, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est, j'ai décidé de faire une sorte de série sur Minecraft. Enfin, c'est pas une série survie, hein, c'est genre, je vais sur une un serveur en multi assez connu et je fais des mini-jeux. Oui. J'aurais peut-être pas dû faire ligotage en fait. Oh. Surtout s'il me baisse beaucoup mon attaque. Ah voilà. Oh, il continue en plus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je ferai des mini-jeux et donc du coup, cette série-là se présentera aussi en tant que série qui complète un peu les trous au cas où si vraiment je. Enfin voilà, c'est le temps de chercher une nouvelle série. Sinon, la série sur Minecraft. Sur Minecraft en survie, ça arrivera dans très longtemps. Faut le temps de trouver le moyen de créer un serveur. J'ai regardé pas mal de tutos, j'ai essayé de créer un serveur en 1.8.3, c'est vraiment très très dur. Enfin, moi personnellement, j'y arrive vraiment pas. Bonjour. Ouais. Alors, on est où? Bah j'en suis à. Bah en fait Flory vient de mourir et j'ai perdu toute mon XP. Ah oui, parce que ça c'est un élément assez rageant dans Pokémon Gems, c'est que quand ton Pokémon tank KO, il perd tout son XP. Ah, c'est de la merde. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas Pokémon Chain. Visiblement ça avait l'air d'être un élément que tu ne savais pas. J'aime pas Pokémon. Bon, c'est une version comme Rouge-Feu, mais en version avec une histoire différente. En fait, ils reprennent juste la map de Kanto avec quelques modifications. J'ai l'impression qu'ils ont tenté de reprendre le graphisme de. Merde. De Pokémon Argent, Soul Silver et Heart Gold. Rondoudou. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pas courir. Rondoudou en avant. En plus, tu sais quoi? Faut payer aussi Pizza. quand on est dans le centre Pokémon, tu vois, faut payer Oui, pour je faire sais. Oui, ça, je sais, ça. c'est fait partie des éléments qui me gonflent. L'entraînement. On est à 13 minutes de vidéo et j'ai toujours pas fini la moitié au moins de cette route. Et j'ai envie que mon Pokémon, enfin que mon œuf éclose de manière, enfin le plus tôt possible de manière à ce que je puisse l'entraîner. Parce qu'étant donné que nous ne sommes pas en Nuzlocke, je m'autorise le droit d'entraîner Des hors super vidéo. pouvoirs. Ça, on l'a fait? Non, ouais, non, enfin, on l'a pas fait. Pour ma fête, mes parents m'ont offert un Salamèche. Il est fort et Bonsoir. il est fort en diable. Je connaissais pas cette expression. Salut. Y a un chat tactique. Il y a un chat tactique. Je répète. Un chat tactique. Salut. Salut Alice. D'accord. Un Salamèche. Un garçon ou une fille? C'est un Salamèche femelle. Torgnole! Coup critique!
Allez, il est presque niveau 18, il va presque évoluer. Ah bon. Du coup, pendant que t'étais pas là, j'ai un peu parlé de ce que je ferais à la place de Dragon Nest Europe. Hein? J'ai un peu parlé de ce que je mettrais comme série à la place de Dragon Nest Europe. Parce que j'en avais pas parlé à la fin de la saison. Tu mettras Hein? quoi? Bah, en fait, je compte tourner des vidéos sur des serveurs Minecraft. Enfin, des serveurs. Des serveurs multi. Nice. Mince. Avec des mini-jeux, tu sais, des mini-jeux comme on fait Oui, avec. mais oui. Avec VMC. Aïe. Méchant. J'ai fait combo Aïe. griffe. Ah oui, merde. Carby versus Rondoudou. Hein? Tu joues à quoi? Non, c'est sur YouTube. Ah d'accord. C'est des clashs musicales. D'accord. Donc, genre, t'as Megaman, Metroid, t'as Dr. Layton et L dans Death Note, t'as Kirby, Rondoudou, t'as Mario et Mickey, aïe, t'as. Deux secondes. T'as Ganondorf et Bowser, t'as Jack Frost et. Merde, comment elle s'appelle la Reine des Neiges? Hier ça. Voilà, Erza. Et Roucoups a évolué. Enfin, Roux Pigé a évolué en Roucoups. Ouf. Oh. Ah, ça me rappelle la Ah. vidéo spéciale 50 abonnés, tu vois, j'avais un Aïe. Roucoups derrière moi. Aïe. 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 Alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Aïe, mon ventre. Putain. Je vais mettre Fleury. Je sais, les niveaux sont vraiment n'importe quoi, mais c'est parce qu'en fait j'avais attrapé le Fleury, j'avais vraiment pas augmenté pas beaucoup en tout cas. Un instant, jeune homme, vous n'irez nulle part sans m'affronter. C'est mauvais. Il s'appelle de la pédophilie. Ah, vous voyez le sprite de Red là? Faut pas le combattre, hein. Faut surtout pas le combattre. Vous le voyez, mais vous ne Mais lui moi, adressez pas pas. partage. Attends, je suis en combat là. C'est juste pour. Faut vraiment pas le combattre. Parce que c'est pas un. C'est. Enfin, voilà, c'est un ressort cheaté. Évolie, attaque quoi toi avec Par charge. contre, je crois que j'ai fait une connerie. Même si le Roku est niveau 5. Quoique, il a pas tornade au niveau 5. Donc c'est bon. Ouais, bah si tu rates ton attaque, ça va pas le faire. Et si tu me fais G2 salve, ça va pas le faire non plus. Une question, Evoli, eh bien sûr, il peut apprendre des attaques de type ténèbres. Ouais, il peut apprendre balle ombre. Je crois que c'est de type spectre balle ombre. Ouais. Attends, je vais te dire ça. Il peut apprendre Parce morsure. que. Oui, je sais, mais il me semble. Ah, aïe, aïe, aïe. Il me semblait qu'il pouvait apprendre griffe ombre aussi. Théoriquement, oui. Aïe, aïe, aïe. Mais par CT, je pense. Oui, mais j'ai la... c'était Griffon, mais il ne veut pas la prendre. Ah bon? Ouais. Peut-être qu'il est passé au level. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quand il sera en Monthaï, je pense qu'il pourra la prendre Griffon. Monteil, c'est type C. Ouais, et alors? Je peux pas. Comme ça. Je sais pas C'est si un pas type parce peut que c'est aussi. un certain type qu'il pourra apprendre que des attaques de son type, hein. Ça, c'est un détail énorme, Ah, hein. salaud. Les Pokémon qui ont des queues peuvent apprendre queue de fer. Les Pokémon qui ont des ailes peuvent apprendre ailes de fer. Ou ailes d'acier, non, c'est ailes d'acier, excuse-moi. Ouais, elle d'acier parce que Rat quelle attaque, niveau 11. What the fuck? Par contre, là, j'ai fait une connerie. J'espère que je peux. Merde, je peux pas. Ronds comme un ballon. The Windigger, c'est un Il pourra jamais Pokéball, monter. Et et je te jure, Flory ne va Marowak. jamais monter à ce rythme-là. Ça fait deux fois qu'il meurt. Battle. Allez, macaque. Contre Elsa. Quoi elle? Ah, nickel. Macaque niveau 18. Il monte très vite de niveau.
Et à la prochaine épisode, on va traverser une grotte. Ouais, je déteste cette grotte. Elle est Ouais, c'est la complètement cave modifiée, topicaire. hein? Ouais, non, c'est pas. C'est la cave top. Non, non. Cave Topicker, c'est. C'est à Carmin-sur-Mer. Qui ramène jusqu'à où déjà? Qui ramène jusqu'à en dessous de d'Argenta. Du coup, c'est chiant. La cave que je vais devoir. En fait, la grotte que je vais traverser, c'est la grotte. Le mont Sélénite. Et vu que cette version modifie les maps, ça dit en gros que la grotte n'est pas du tout pareille. Et donc, du coup, et bah, je vais me perdre facilement. Ok. Très, très facilement. Miaouss. Alors. Cœur libéré, t'es libéré. Oups, je t'avais oublié. Lol. Ah, ça, c'est le petit clash de Erza sur Jack Frost. Oui, attends, je vais te faire un partage. Merde. Alors, juste un petit partage de 5 secondes, tu me dis quand tu verras. Excusez-moi, si vous voyez. Je vois. C'est bon, tu vois? Tu vois le personnage là? Tout en haut? Ouais, c'est raide. Faut surtout pas le combattre. Pourquoi? Il a des Pokémon de niveau plus de 80. Et si tu perds, ça fait planter ton jeu. En gros, t'es obligé de. Affronte-le! 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 Mais bien sûr que non, après je vais devoir tout recommencer, je vais rager, je vais pas vouloir retourner cet épisode. Et je vois deux petites baies là-bas. De toute façon, on combattra un jour. Mais pas maintenant. Oh, deux baies. Je cueille les La baies. victoire Oh, dans le deux baies. prochain. Ouais. Libéré, Ah, c'était un dresseur celui-là. Je me passionne pour les combats entre dresseurs depuis longtemps. J'ai acquis une solide regardez. expérience, tu vas voir. Clash du conseil des quatre. Ah bon? Ouais. Mais du coup, l'histoire est vraiment impressionnante parce que c'est jamais vu, c'est du jamais vu dans les Chrome ou autre chose. Et je veux rien vous spoiler, mais c'est vraiment intéressant comme histoire. Il s'appelle Pokéfou. Ok, alors c'est un Kecleon. Je sais pas si ça fait le même effet quand. Du coup. Je sais pas si je vais le one-shotter. Ouais, si. Tout va bien en fait. Il est mort, mais sinon sa capacité spéciale il fonctionne encore. N'importe quoi. Mimigal. Flamèche. Peter, il est dans. Peter, c'est le champion de la. C'est le champion de la deuxième G. Oui, de la deuxième G. Normalement, c'est censé le maître de la deuxième G, mais c'est aussi censé être le maître de la première G, sauf que bah, Blue est arrivé avant toi. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est parce que. Est-ce qu'il a fait partie du conseil des quatre dans la première G? Oui. D'accord. Parce que vu Mais il n'y que avait pas Blue de type est. dragon avant. Si, Peter était le type dragon. Oui, mais il y avait pas de type dragon dans la première G. Bah si. Sauf que la type dragon n'avait pas de faiblesse étant donné que la seule attaque de type dragon c'était Dracorage. Et ça ne faisait que 40 PV de dégâts à chaque fois. Donc du coup il n'y avait pas de faiblesse. Et je suis arrivé là. Au centre Pokémon. À côté du mont Sélénite. Infirmière Joël versus maman. Oh. Ouais, t'arrêtes de demander à mon fils de payer. Non mais. Afin de comprendre toutes les références du battle. Et Sauron Doudou, faut surtout pas lui parler non plus. Versus. Sauron Doudou, faut surtout pas lui parler. Hein. Bon, dans la version originale aussi ça marche. Mais lui, il t'endort. Merde, je fais une connerie. Bon, tu me laisses partir. Et regardez ce que ça m'a fait. Ça me les a tous endormis.
Voilà. Du coup, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais les soigner tout de suite. Et je vais encore devoir payer. T'es chiant, rondoudou. Bon, bah, du coup, bah, c'est la fin de cet épisode, hein, je pense. Hein. On va s'arrêter là. Hein? On va s'arrêter là pour la fin de cet épisode. Je dépasse de combien de temps? 25 minutes. Donc, du coup, j'espère que D'accord. cet épisode vous aura plu. Hein. C'est le retour de Pokémon Gem. Et puis c'est le butter. Donc, j'espère Rondouille. que. Bon, t'as Rond pas pour finir là que je Gem. termine. Bim. Donc, j'espère que cet épisode Rondouloute. vous aura plu. S'il vous a plu, vous pouvez Maman. liker cet épisode. Vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner. Disliker. Non. Vous pouvez. Commentez pour écrire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes nos aventures. Donc, salut tout le monde! Je peux dire le dernier mot? Vas-y. Si vous arrivez à mettre 100 pouces rouges, Vincent devra chanter. Non. Devra chanter la chanson Pokémon. Ouais, mais le problème c'est que ils vont encore plus mettre de pouces rouges sur la chanson Pokémon après, parce que je sais pas chanter. Non. Alors, mettez 100 pouces verts, il devra chanter. Ouais mais non. Pokémon. Ouais mais non. De toute façon, ils pourront pas mettre 100 pouces verts. Allez, bye tout le monde. Et je t'en fais 50 000 euros à la fin.